suis Grégoire Vigneron. Il n'y a pas de relieur à Bois-le-Comte. Je suis le seul. J'ai comme spécialité dans mon travail, c'est d'essayer d'utiliser le moins possible la colle et le moins possible le fil pour éviter la pollution, pour avoir des processus plus rapides de montage. J'ai un parcours qui est peut-être atypique. J'ai fait des rénovés en photographie, en art plastique. Après ça, je suis parti vivre en Angleterre pendant un an comme bénévole pour le National Trust. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai fait un stage d'été à l'Académie d'été à Libramont, en reliure, avec la plus grande distinction et une mention spéciale du jury. Et donc je me suis dit que ça valait peut-être la peine que j'en fasse mon métier. La reliure, c'est un métier de personnes qui sont isolées dans leur atelier, chacun dans leur petit coin, à faire leur petit chipotage. C'est des longues sessions de gestes répétitifs, d'écoute de musique. Ça a quelque chose de très apaisant. Le papier est un matériau qui est noble, biodégradable, recyclable. Ça rentre dans ce cycle vertueux de dégradation naturelle et de revalorisation. Les paysages dans la région de Bray-le-Comte sont tellement beaux. J'ai créé toute une série de cartes sur Bray-le-Comte et ses villages. Je ne sais pas si j'ai changé la vie des Brennois avec mes cartes, mais je sais que la carte de Bray-le-Comte même, elle a été commandée par une personne qui est décédée aujourd'hui. Ils étaient très touchés parce qu'ils m'ont dit que ça lui aurait fait extrêmement plaisir de voir cette carte. J'ai adopté cette ville, ou la ville m'a adopté, je ne sais pas.